Allez. Hop. On arrive sur du GTA tranquillement. Je suis en train de mettre en place. Allumer la console. Voilà le jeu de l'année. Ah, c'est sûr. C'est sûr que Rising Storm c'est différent, hein. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais c'est vraiment plutôt pas mal. Ça reste un très très bon jeu que j'affectionne particulièrement. Donc on va continuer. Donc on avait eu des petits soucis sur ce GTA V au niveau des connexions. En fait, du moins pour ma part, j'avais pas mal de mal à me connecter. J'avais beaucoup de temps sur les chargements. Donc là, j'espère que ça va aller mieux vu que j'ai configuré mon routeur. Dimanche après-midi, ça avait l'air de bien marcher. J'avais réussi à aller sur les sessions assez rapidement, etc. À faire mes missions. Donc c'était plutôt cool. Bon, t'as une maison ou pas? Pas encore. J'ai pas encore de baraque. J'ai à peine 50 000 dollars pour l'instant. Donc j'ai pas encore de baraque. Mais ça ne devrait tarder. Sachant qu'après, si vous voulez une bonne baraque avec si. Ça dépend, hein, tous les prix sont dans la nature. Mais voilà, donc. Après, c'est surtout question d'emplacement, de garage. Et c'est soit 2 emplacements, 6 emplacements, 10 emplacements. Et ce qui, au niveau des 6 emplacements, vous avez des apparts à pas trop cher où il y a moyen d'avoir au moins 6 emplacements. Mais bon, ça reste tendu quand même. Donc, sachant qu'après, j'ai plus une thune. Donc voilà, on va voir. On va voir, essayer de gagner un peu plus d'argent quand même. Faire des missions. Gagner un peu plus d'argent et m'acheter une baraque, quoi. Tranquillement. Ah, ça se fait petit à petit. Va voler une banque, lol. Ça va être du GTA Online. Oui, maintenant c'est du GTA Online sur Xbox jusqu'à 19 h. Donc voilà, 3 heures de GTA Online tranquillement. Et après, 20 h à 20 h, on aura du Shoot Mania. Alors peut-être pas sur cette télé, sur l'autre télé, sur la Twitch. On aura donc du Shoot Mania pour les ESL Series Cup numéro 8. À 20 h, donc, mais là on passe donc 3 heures de GTA ensemble. GTA Online va voler une banque, mais je crois que je peux pas encore voler des banques, il me semble pas. Donc, vous voyez là, les chargements se font beaucoup plus rapidement qu'avant pour moi, du moins. Je me suis acheté une nouvelle caisse aussi. J'ai fait, voilà, j'ai volé une nouvelle caisse parce que voilà, il nous fallait une 5 portes. Donc maintenant, voilà, on a une 5 portes, ça sera beaucoup plus pratique d'être en coupé. Donc là, j'arrive déjà sur une partie avec pas mal de monde. Donc là, j'ai pas de mission pour l'instant, j'avais 2 missions, je sais pas si je les ai. J'espère que ça va sauvegarder ma progression. J'avais Lester aussi. Donc ça m'a sauvegardé. Ah, j'ai reçu un. Voilà, mission. Alors c'est une mission de Kane. Ben, on va aller la faire. Hein. Hop là, direct, on part en mission. Si on pourra, hein, on pourra, mais je pense. Voler des banques, on pourra. Mais il y a pas mal de choses qui sont pas encore mises en place, hein, sur le online. Parce que même on devait avoir la bourse et tout ça, mais ça y est pas encore. Il devait y avoir des transactions avec de l'argent réel, mais ça y est pas encore. On devait pouvoir créer des cartes et faire nos propres missions, mais ça y est pas encore. Donc il y a pas mal de choses, je pense, qui sont encore. Ok, les autres ils viennent pas avec nous, c'est pas grave. La planque de Lost. Allez, go.
Ils auraient dû monter, on aurait tous dû monter ensemble. Bah, il n'y a rien d'officiel encore, hein. Il y a juste tous les vendeurs qui se sont dit, on va dire qu'on va précommander une version PC. Mais sinon, au niveau de Rockstar Games, il n'y a rien d'officiel d'annoncé. J'avoue un petit peu déçu. Je sais pas si. Ah, j'ai pas de Bastos quoi. J'aurais dû en acheter, j'ai oublié d'en acheter. Chaud du coup. C'est sûr que s'il y a une version PC, un de ces quatre, je serais vraiment content moi aussi. Y a pas photo. Ok, l'autre. Ok, il s'est gouré de route. GG les gars. On en a deux qui se sont trompés de chemin. Alors ça commence bien. On est avec des tardes. Il n'y en a qu'un qui connaît la mission, je crois. Alors, bah, je suis avec Kian, c'est un level 24, moi je suis level 10, on a un level 12 et 14. Oula, 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 oula. Par contre, c'est pas l'air d'être des pilotes, les gars. Allez là. Aller à la planque des Lost, donc je pense qu'on va faire un petit carnage sur des bottes là. Sur les Lost. Ah ouais, la PC, version PC, c'est sûr que ça serait un petit peu ouf quoi. Ah non, 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 où il va? Ah putain, ça fait peur. Ça serait plutôt ouf, mais après, moi je pense que. Faudrait voir parce qu'en online, voilà, je pense que le online il serait gâché par le fait qu'il y aurait des tricheurs, etc., des cheaters, tu vois. Je pense que c'est sûr que ça arrivera et si ça arrive sur PC, et ça serait plutôt décevant, quoi. Comme il y a déjà eu. Hein. À droite, à droite, à droite. Allô? Eh ouais, mec. À gauche. Va pas tout droit. Ah putain, mais quelle tarde! Ah mais merde, mais oui, vous. Eh mais. Les gars, je suis meilleur que vous, hein! Mais rentre-lui pas dedans! Oh putain, merde, j'aurais dû conduire, quoi! Oh putain, on était en tête et on se fait rattraper par les autres, quoi! Ah, je vous jure, quoi! Et là, c'est pas les pro-pilotes, hein! Là, faut faire le tour du lac. Ouais, après, c'est sûr qu'en PC, au début, il y aura pas mal de soucis avec les serveurs et tout. C'est pareil, c'est la même merde, je pense. Putain, je suis avec un pro pilote qui a pas de goût parce que avoir une voiture comme ça, elle est moche. Il a la même caisse que moi, mais il a des jantes cracra. Il a des mauvais goûts, le gars, quoi. Après moi, putain, oh quelle tarde lui. Mais le problème, moi, c'est pas. Après moi, les bugs, bon, y en a, ça arrive. Mais moi, c'est pas ça qui me fait peur sur PC, c'est vraiment ben, les tricheurs, quoi. Hein. Parce que sur PC, c'est sûr qu'on aura des aimbots, des vieux types. Alors vous allez me dire, ouais, mais sur vos consoles, vous avez l'aim assist et tout. Ouais, certes, mais c'est pas pareil. Hein, général, on est sur une console, quand même. Mais sur PC, voilà, je pense que. Il y aura moins de goût quoi. Ça risque. Après, le seul truc que j'attends sur PC, ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'il sort un peu plus longtemps après, je pense aussi. Parce qu'ils savent très bien qu'à un moment donné sur PC, il y a des gens qui vont faire des mods, qui vont vraiment pirater le jeu pour pouvoir faire des mods et tout. Donc, c'est ça aussi. Hein. C'est pour ça qu'ils ne le vendent pas sur PC directement. Parce que je pense qu'ils ont peur aussi d'avoir. Mais il y en a voilà, qui pirateraient le jeu et qui l'auraient gratuit. Voilà, et qui pourrait faire des mods, ça, c'est pour ça qu'il préfère attendre un peu au lieu de directement le bazarder sur PC. Je pense que ça peut être une option. Parce
Ok, pas mal ça, Skilou. Un petit peu déçu, mais pas mal. J'ai perdu pas mal de life. Ok, lui il a failli me faire sauter en faisant exploser la caisse. Personne, hein. Je sais pas si je crois qu'à deux morts la mission est finie. Eh ouais, à court de vie. Putain, on peut pas réanimer quoi. Eh ouais, je crois qu'il est tout seul le type. Ah non. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est un fou ça. Ah, je peux mettre des filtres. Ah, pas mal ça. Lol. Ah, ils ont kiffé. Ça, on peut filmer comme ça des interfaces minimales. Voilà, on peut filmer les games quoi. C'est pas plus mal ça, c'est sympa. Breaking news! Breaking news! Ça c'est plutôt cool. Mais j'aimerais bien revenir sur un filtre basique là. Ça serait possible? Putain, je suis dégoûté d'être mort comme un tarde. Comment on fait pour changer de joueur par contre? Parce que là je reste sur lui mais. Ah voilà, A. Ah non, c'est pas A. Ah si, faut aller là, ok d'accord. Plutôt pas mal ça. Ils le font sortir plus tard aussi pour une raison marketing. Ils veulent pas que les gros fans APC l'achètent aussi, ouais, normal. Bah allez Soc, viens jouer Soc là! Viens sur le TS. On va jouer ensemble après. Oula. Ah, je suis dégoûté d'être mort comme un tarde là. J'ai trop fait le fifou. Il faut aller... Ils sont en train de poursuivre le type en fait, concrètement. Voilà, ils l'ont. Ils ont la mallette. Et là, il va falloir qu'ils le ramènent à un endroit. Par contre, ce filtre est bizarre, j'arrive plus à revenir sur un filtre classique. Breaking news! Et voilà, ils vont se faire tirer dessus. Ah, ils font les fifous un peu là.
Ah, c'est vrai qu'il a plus de lecteur. Ah ouais, c'est vrai. Ah, oh, déçu du coup. Ah, oh, ça craint. C'est vrai, c'est vrai. Putain, déçu quoi. Putain, c'est abusé quoi. Et normalement, il y a une garantie. Hein. Tu devrais faire marcher la garantie. Parce que là, voilà, je sais pas, là, si elle a 3 semaines ta console et qu'il y a un problème, tu fais marcher la garantie, clairement. Ils ont pris un carton, lui il est mort. Oh non, ils ont eu trop de la chatte. Ah, il va mourir. On va perdre la mission comme des connards. Ah, c'est sûr. Oh, je suis déçu. Ah, quand même, à 45 euros. C'est pour ça, moi je ferai marcher la garantie. Allez, sortez. Ok, d'accord. Putain, on compte sur toi, Kian. Oh putain, l'autre il a pris un vieux carton. Ah, ça craint. Putain, il se fait rusher. Il est pas mort, il est pas mort. Allez, Kian, on compte sur toi pour finir la mission solo, mec. Vas-y, comment on revient sur un filtre normal? C'est ça le filtre, ouais, voilà. Allez, c'est chaud pour lui, je crois. Il est en train de se faire encercler. Il y a une voiture qui arrive et tout. Putain, c'est dommage qu'on meure direct, quoi. Fait juste un petit peu trop le fifou. Putain, il est low HP. Ah, il se barre loin, le gars, quoi. Oh là là! Où tu vas, mec? Ça a rien de partir aussi loin! Ah, mais c'est lui qui. Ah, il a récupéré la mallette! Ok, d'accord. Il a quand même la mallette sur lui. Donc, il a bien raison de se barrer. Wouah, c'est chaud! Il y a une voiture qui arrive pas loin. Mec, tu vas mourir! Eh ouais! Oh, dommage! Ah, chaud quoi! Oh là là! Vas-y, j'ai envie de la refaire! Vas-y, on la refait là! Fais pas les tardes. Go la refaire. Oh, y en a un qui a quitté. Continuez. Rejouez. Allez, rejouez les gars. Voilà, on est deux au moins à la rejouer. Allez, on est trois, nice. Allez, c'est bon. J'ai plus de munitions par contre, mais bon. Ça par contre, c'est pas top. Je sais pas comment je vais faire sans bud. Je vais galérer un poil quoi. Ah voilà, hop hop. Acheter protection légère, hop. Voilà, c'est bon, nice. Pan pan pan. À 45 euros pour un lecteur, putain, ça fait chier quoi. Ouais, mais comment tu vas faire? Enfin, putain, c'est chaud de changer le lecteur, non? Putain, l'autre il prend sa caisse, il est bête, on devrait y aller à 3 dans une même, c'est pareil. Ah, c'est easy, hein, je sais pas, je trouvais ça un petit peu. Monter la Xbox, voilà, chaud quoi. Ah, on est juste à côté. Okay. Bon, là, il faut pas faire les kikous, les gars.
Ah putain, mais lui il a un sniper. Ah ouais, moi j'ai juste une arme de PD quoi. Hop là. Petite glissade. Putain, de nuit c'est chaud. Pas grand chose de nuit. Oh, GG le snipe. Mais non! Allez quoi! Y cover, mais j'étais en cover là, putain! Allez, je gaspille une vie pour rien quoi! Ah, mais les types ils ont des mitrailleuses et tout, moi j'ai une vieille merde là! Voilà, meurs quoi! Regarde ce qu'ils ont quoi, ils ont des batteuses les gars, tu sais. Regarde. Ah, j'ai pas pu la récupérer. Mais ouais, regarde, ils ont des fucking batteuses quoi. Pourquoi je peux pas les prendre? Pas du jeu ça. Plan ça. Ah, c'est l'autre là-bas, ok. Allez, voler la mettre, mais ouais. Breaking back power, mec. Faudrait surtout une caisse quoi. Allez, revenez.
Ok, d'accord. Je me fais déjà tirer dessus, moi. Ça, c'est radical. C'est la guerre, là. Allez, je me fais tuer. Mais ouais, mais les autres, ils se sont barrés. Ils sont trop nuls, quoi. C'est même pas toi qui as la mettre, mais c'est toi qui prends cher. Mais ouais, non, mais c'est ça. Mais les gars se barrent, ils sont cons, quoi. Ils se barrent comme ça, tu sais, tout seul, en fait. Genre, c'est bon, je vais livrer la mettre pendant qu'on se fait attirer. En même temps, c'est pas mal pensé, mais... C'est pas meilleure idée, quoi. Parce que l'autre, il est tout seul, et nous, on est comme des cons, là. Je suis mort deux fois quand même, comme un tarde. L'autre, il a eu le temps de se barrer en tout. Ah, ben on a fini. Il a eu le temps de se barrer. Bon, ben au final, c'est le principal. Il réussit à se barrer, quoi, le temps qu'on se fasse hache ma gueule, là. Bon, ben c'est nickel, là. Ben, j'en ai tué quoi? Regarde, j'en ai tué 6, quoi. 6, je suis mort deux fois. Comme un tarde. C'est les autres qui ont fait. Mais les autres, ils avaient des armes de taré. Moi, j'étais avec mon petit piou-piou. Voilà quoi. Petit piou-piou, tu peux pas faire grand-chose quoi. Allez, on va aller en monde libre, hein. On va pas rejouer ça. Oui, ça fonctionne bien maintenant, Constino. J'arrive directement sur les chargements sont rapides, donc c'est cool. Enfin, rapide, entre guillemets, mais c'est pas comme avant, quoi. Avant, je devais attendre 2 heures. Là, ça a l'air de marcher. Donc, c'est plutôt cool. Mage, où t'as ouvert tes ports? Mais, en fait, les ports, ils étaient bons. C'est juste l'adresse MAC qui était pas bien configurée. Tu vois, là, je suis arrivé directement, t'as vu? Donc, c'est cool. C'est mon adresse MAC qui était pas bien mise, qui était pas fait. Et en fait, parce que les ports ils étaient ouverts, j'avais déjà les ports ouverts, mais l'adresse MAC était pas sélectionnée. Et maintenant ça marche beaucoup mieux. Et j'ai changé de voiture. Alors, récupérer des véhicules. Alors la liste: Mammoth, Phantom FQ, Patriot. Empereur, alors c'est quoi déjà? Parce que je connais pas tous les noms. Donc heureusement que j'ai le guide. Ça va me permettre de voir un petit peu ce que je peux aller voler comme voiture. Hop. Alors, je ne suis pas une vedette, Costino, tu sais. Alors, mon petit guide, hein. Mon petit guide normal. C'est souvent des caisses basiques, ouais, c'est vrai. C'est pas forcément des caisses de ouf. Donc, on va prendre la Phantom FQ par exemple. Ah ouais, mais la Phantom FQ, je crois que c'est l'espèce de super sportive. Et pour la trouver, celle-là. Alors,
Ah non, la fantôme FQ. Ah ben c'est celle que j'ai. Je crois que c'est celle-là. Me semble. Semer les flics. Ouais, c'est celle-là que j'ai. Donc je vais semer les flics. Et je vais aller lui livrer. Bon, je vais peut-être pas lui livrer en bon état. Mais je crois qu'après, tu vois, c'est des voitures basiques, mais selon les voitures, t'as des primes différentes aussi, donc voilà. Oh là là. Oh là là, oh là là. Bon, en fait, je crois que je vais pas lui livrer celle-là, parce que je vais en avoir plus en réparation qu'autre chose, quoi. Au final. Ah, pas besoin d'aller au guichet? Ah ouais, j'avais jamais fait gaffe qu'on avait la banque sur internet. Ah, ça c'est nickel. En même temps, ouais, ça paraissait logique. Alors, j'ai une mission avec Gérald. J'ai défoncé la caisse. Je vais en trouver une autre, je crois. Je vais rester caché là-dedans. Taillez les. Voilà, nickel. Parce que là, en réparation, la caisse, je vais en avoir plus en réparation qu'autre chose. Alors, est-ce qu'il est parti ce mail? Non. Alors, une mammouth. Les mammouths, c'est les Hummers normalement. Mammouth Patriot, un peu rare à Berno. Ça, je sais pas ce que c'est. Donc, on va retourner en ville. Je vais aller récupérer ma caisse parce que sinon, elle va rester dans ce secteur-là. Je vais retourner en ville et je vais choper une des caisses. Ouais, je suis chauve, je sais pas pourquoi. J'ai mis un masque en fait. Quand j'avais enlevé mon masque, ben, j'étais chauve. Donc je sais pas pourquoi. Petit bug. C'est le masque qui m'a enlevé mes cheveux quoi. Et ils sont restés collés au masque, mes cheveux. Peu déçu, mais bon, masque de rasage, ouais. C'est ça, comme quand tes cheveux avaient poussé, moi ils ont disparu quoi. Clairement, le masque, c'était un masque chinois, il y avait des produits chimiques dedans, je crois. On fait tomber les cheveux, quoi. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Ça le fait des fois. Maladie de Fukushima, quoi. Alors, on va aller jusqu'à ici. Et en même temps, on va essayer de trouver une caisse. Parce que la caisse que vous voulez, après, il faut la repeindre. Enfin, que vous voulez, faut la repeindre. Une fois que vous l'avez repeindre, vous pouvez aller la livrer au quai. Ah, mais non, on peut m'appeler Monsieur Propre, hein, concrètement. Il va falloir que j'aille chez le coiffeur. Oh! Ah, je pensais que ça passait quoi. Ouais,
Alors, il faut que je trouve pas mal de wagos. Ce qui serait pas mal, c'est que je trouve un Hummer par exemple. Le Hummer, quand je lui avais rapporté, je savais qu'il m'avait filé 10 000 dolls. Alors, est-ce que c'est constant? Je sais pas, mais. Ah, bah, oh là là. Ah, plus tard, ça c'était la fantôme. Encore une fantôme. Au pire, je vais la suivre. Peut-être que. Au moins, je rapprocherai ma voiture. Et après, je sais pas ce que c'était. Qu'est-ce qu'il avait dit comme voiture? Bravado. Bravado Grassley. Je vois pas du tout ce que c'est les Bravado Grassley. Là, je suis en train de regarder un petit peu aussi, donc c'est chaud. Bravado Gressley. Ah, c'est les espèces de 4x4. Ah, ben on va en trouver ça normalement. Bon, allez, on va aller en ville. De toute façon, on est bientôt arrivé. Au pire, il y a ces fantômes là, il y en a deux. Ça, je rapproche ma voiture parce que sinon, si j'ai ma voiture à l'autre bout de la map, ça va pas le faire. Oh putain, c'est quoi ce coup de freinage là? Il y a des duels, il y a des duels sur la map. Bon, moi j'arrête. Tu sais quoi, regarde. Hop. Faites pas n'imp. Allez, maintenant il faut leur échapper. On va essayer de pas cartoucher la voiture, sinon ça va me coûter trop cher en réparation. Déjà qu'ils m'ont pété une vitre et que moi j'ai pété dans le cul. Donc là on est bien, on va attendre. Ah, j'arrive dans les bouchons parisiens, clairement. Allez hop, maintenant on va pouvoir aller nettoyer la voiture, aller la repeindre, la réparer. Je crois que c'était celui-là. Je crois que c'était ça. Where you been? I ain't heard nothing from you for the longest time. You need something? You give me a shout. Ça marche. D'abord, je vais ramener la voiture pour l'autre Simone. Et après, j'enchaîne l'émission. Alors, au lieu d'attendre que la police te cherche plus, tu peux aller directement à l'atelier de peinture, ça fait partir les étoiles. Ah ouais? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr.
Parce que moi, la dernière fois, je crois qu'il m'avait fermé la porte en me disant vous pouvez pas tuning la voiture. Ouais, ça marche ça? Ok, parce que moi, il me semblait que la dernière fois, ça m'avait dit non, vous pouvez pas tuning votre voiture, vous êtes recherché. Ok, donc bah, c'est bon à savoir si ça marche. Je ferai ça la prochaine fois. Je viens d'avoir de la réparation à faire. What miracle did you want me to perform? Better than when she came in, that's for sure. Peinture, peinture. Ah, elles sont où les peintures hein? Tu peux rentrer dans le LS Custom si tu réussis à arriver, mais il n'y a que les étoiles qui clignotent. Ok, d'accord. Non, mais je savais pas. Je pensais l'inverse, mais ok, c'est bon à savoir. Hein. Faire ça vite fait. Allez, pourquoi tu tournes là? En espérant qu'il y ait des voitures là-bas, parce que généralement il n'y a pas beaucoup de voitures. Elle a gagné un petit peu de thune, ouais. Ça va faire plaisir. Il m'en faut de la thune. Ce que j'avais fait aussi, c'était que j'avais vendu des voitures à Lost Custom. J'attendais tous les jours. Il faut qu'une journée passe entière. Et après, vous pouvez vendre votre voiture. Et vous gagnez 8000, 8000, 5000, 7000. Ça dépend de la qualité de la voiture. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, je me fais plus 8000, tu vois. Donc, avec le Hummer, c'était 10000 par exemple, tu vois. Là, c'est 8000 avec celle-ci. Donc, après, il faut savoir la meilleure des voitures. Alors, tu m'as dit. En plus, il y en avait une juste là, quoi. Ah là là. Attends, je peux pas lui rendre. Ah non, il faut que j'aille la repeindre. Ouais, ça sent... Alors, tu m'as dit directement par internet. Il y a notre banque. Ah ouais, il y a la Maze Bank, j'avoue. Oh là là, on s'est fait chier pour rien des fois. Donc voilà, je suis à peine à 55 000 dollars, donc pas beaucoup d'argent. C'est déjà ça, ça arrive.
Je vais faire un petit retrait, je vais garder un petit peu de liquide sur moi. Alors par où on sort? Je crois que c'est par là normalement. Voilà. Alors. Non, c'est pas ça que je vais faire, c'est ça. Donc là j'ai deux missions. Et là j'ai encore... Ouais, ça d'accord. Donc on va faire cette mission. Je sais pas la Costino, je sais pas si t'es dissous ou quoi. Hop. Alors, jeunesse ingrate, nanani nanana. Difficulté, allez, on va faire les... Moi je suis tout seul, il faut être deux, donc on peut mettre ça. Pistolet mitraillette, fusion aussi. J'ai plus de bastos. On va voir s'il y a des membres du crew. On va voir si... Non, pas le membre du crew, je crois. Personne de connecté. Allez, Boumaye. Ah, je vais inviter un gars. Allez, Boumaye. Bon, je crois que personne veut venir. Ah si. Oh, lol. C'est une à deux. C'est un à deux joueurs, les gars. Les gars, ils font venir tout le serveur entier, quoi. Masse invite, ouais, j'avoue. En plus, on a des twags là, on a pas mal de crew là. On a un crew. On va attendre que quelqu'un accepte, sinon ben, je lancerai. Allez, il est présent, go. Jérémy du 39. Jérémy du 39. On va jouer avec lui. Donc voilà, tout de suite ça marche mieux. Allez, Jérémy du 39, on va dans ta caisse. Non, prends ta caisse. Ok, on prend celle-là alors, c'est pas grave. Ok, d'accord, on prend ta caisse. Allez, les gars, tout de suite ils prennent des grosses voitures. Moi je prends une 5 portes, je pense à mes collègues. Et ouais, je suis allé me prendre une 5 portes quoi. Oula, oula, oula. Ok, je crois que je suis tombé avec un pro conducteur quoi. Au pire, est-ce que ça bouge? Non, ça ne bouge pas donc. Voilà. La même que toi, ouais. Exactement la même. Ah, moi je me suis repris l'espèce de Mustang là. Un peu comme celle-ci, mais la 5 portes là. Comme ça, au moins, quand on aura besoin d'une 5 portes, et bien on aura 5 portes. Parce que là, c'est vrai que c'est bien les coupés, c'est classe. Mais ça, c'est, après, c'est des voitures qu'il faut s'acheter hein, quand on joue solo ou quoi. Putain, le gars. S'en bat les nets quoi. Saisir la ballard. Donc il fallait voler une caisse. Où il va? Où c'est qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oula, ça a l'air chaud.
Elle est rouge maintenant. Bah on fait les couleurs du clan quoi, rouge et blanc quoi. Rouge et blanc. Voilà. Un petit peu les couleurs du clan. Rouge et noir, rouge et blanc. Ouais mais mec, n'y va pas comme ça. Voilà. Parce que là il y a un petit peu du monde. Je sais pas si t'es conscient mais il y a un petit peu du monde. You're fucking done, you bitch! You're shitting me! Help me! Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Allez, je suis mort quoi! Ah mais le gars il a pas pris la bonne route concrètement. ah ouais. Le type il a pas pris la bonne route quoi. Putain, en plus il a défoncé la caisse quoi. Merde. Ok, la voiture n'avance plus. Ah non, c'est fini. Ok, la voiture est naze. On peut lui faire la même à l'autre. Qu'est-ce que c'est ça? Il a quitté le boulet. Oh putain. J'ai pas vu qu'il avait quitté. Oh là là. Moi je vais la rejouer tout seul, hein. C'est pas grave. C'est ce qu'il loue aux commandes, on va crever. Comment vous êtes quoi? Oh merde. Putain, je m'en étais bien sorti là. J'étais plutôt bien parti quoi. Je refais un rapport de Mini Cooper. C'était trop ça. C'était trop ça quoi. Oh merde. Bon allez, il me faut un autre gars là. Un autre gars, pas un tard là qui quitte d'un coup. Ah, je sais pas ce qu'il a fait là. Péter la gueule direct avec la voiture. Mais il a posté où ça, Costino? Paye ton skill. Ouais, paye ton skill. C'est Tonio qui a trouvé le slogan. Paye ton skill. Paye ton skill. Mais c'était okay. Où ça? Ok, allez. Il parle, mais moi je ne parle pas. Ah mais il revient, Jérémy du 39, c'est encore lui, il a quitté, il revient. Oh merde, tu me repays Jérémy du 39 quoi. Ah fais chier. Sur le Facebook? Ouais mais j'y suis allé, je l'avais pas vu. Oh merde, t'es bien pourtant ça. Allez là, tu fais pas de la merde hein Jérémy du 39. Ah ouais, je l'avais pas vu. Oh mais... Énorme. Oh magique. Magique. Attends, je vais partager ça sur mon Facebook. Oh putain, mais il fait de la merde, quoi. Et voilà, mais putain, mais il a fait de la merde, quoi.
Putain, mais Jérémy du 39, il est nul. Oh putain, bah ouais, mais je respawn en plein milieu du gang, quoi. C'est pas possible. Oh, mais Jérémy du 39, arrête, s'il te plaît. Putain, merde. Fais chier, quoi. Faut y aller en douceur, quoi. Le type direct, il rentre dans la caisse, on se fait tirer dessus, on a même pas le temps de sortir. Putain, Jérémy du 39, quoi. Allez, on la rejoue, on la rejoue. Je lui fais confiance une dernière fois. Bon, je l'ai mis en très difficile, hein. Je l'ai mis en très difficile. Bon. Go. Go. Bon, alors là, Jérémy du 39, s'il te plaît. Ah putain, si vous. Bon, je l'ai mis en difficile, mais il fait le fou. Il fait le fifou. Regarde, voilà. Fais pas le fifou, mec. Fais pas le fifou. Putain. Laisse-moi conduire au pire. Putain. Tu fais trop le fifou, mon ami. C'est juste à côté. Ça sert à rien d'y aller. J'aurais dû y aller à pied. Ouais, je sors. Hein. Je fais de la merde. Genre j'ai pris... Putain, mais on a tous les deux succombé. Mais comment il faut faire? Attends, moi je vais les défoncer, j'en ai rien à foutre. Hein. Je vais défoncer le gang. Hein. C'est une meilleure option. Attends, hein. Parce qu'on achète des bastos, alors hein, vaut mieux se farcir un peu la thune. Bon, lui il conduit, voilà. Tu conduis comme une chèvre, donc. Il a intérêt à tirer ce tard. Oh putain, il tire pas en plus quoi. On est mal barré. Bon, ça a l'air d'être bon là. Au bout de la quatrième fois, on va y arriver. Ah, il a quitté la partie quoi. Mais putain, mais. Ou il est mort, je ne sais pas. Voilà, putain. Great. Well done. Ah ouais, là, mais il fait que live quoi, c'est un tard. Hein. C'est bon quoi. Really? I do. Ah, je réussis, c'est bon. Allez, 2000 dolls in the pocket, petit peu de RP, level 11. C'est ça qu'il faut. C'est ça qui est bon. À quitter quoi, non mais quelle tarne.
Les JP, ouais, je sais pas trop à quoi ça sert les JP. Ouais. Clairement, je sais pas du tout. C'est peut-être les joueurs point. Les joueurs point et les RP, je sais pas. Parce que là, on voit qu'il y a des JP, voilà, 117 JP. Moi j'en ai combien? Je n'en ai pas beaucoup, je crois 30. Donc, je vois pas. Je sais pas trop. Alors, je vais accepter sa mission. Non, franchement, là tu me poses une colle, ouais, je suis désolé. Me pose une colle, quoi. Bah allez, je vais faire juste une petite page de pub hein, pour couper la VOD, attends que ça commence. On se retrouve tout de suite. Hein.